Amahina toujours, Nicole Sanquer présente officiellement sa liste pour les municipales. Tamar Imahina a tout, mais d'emblée, deux obstacles se dressent déjà face à la députée. Damas Tewira d'abord, investie par le parti d'Edouard Fritsch, le Tapoura Huir Atira. Par ailleurs, la loi sur le cumul des mandats devra s'appliquer. Les explications de Laurence Pourteau et Sandro Lee. C'est donc officiel depuis ce matin. Nicole Sanquer s'alignera aux prochaines municipales. Sans étiquette, puisque la députée a quitté le groupe Tapoura à l'Assemblée de Polynésie, elle affrontera donc le candidat officiel du parti. La proposition que Damas m'a faite ne nous satisfait pas, puisqu'il nous proposait uniquement deux sièges sur sa liste. Et comme vous le voyez, je suis présidente de fédération de Tapoura Marina et nous avions espéré 7 à 8 sièges. Quand il y a une division, c'est qu'il y a un problème. Quelque part. Et je ne pense pas que d'avoir donné des investitures vienne régler ce problème. Vous savez, le Tapoura Huir Atira a des statuts. Et dans les statuts du Tapoura Huir Atira, il n'y a pas d'investiture pour les municipales. Bon, aujourd'hui, le président a décidé de soutenir certains candidats. Maintenant, il faut voir qui gagnera. Au programme de sa liste, solidarité, proximité, environnement, des thèmes chers à la députée, qui se dit prête aujourd'hui à quitter son mandat national en cas de victoire municipale. J'ai besoin de retrouver aussi cet exécutif. Vous savez, quand vous êtes député, c'est un travail législatif, on débat beaucoup, mais le rôle de maire, vous êtes proche de la population, vous avez une administration, vous avez un budget, vous décider avec votre équipe de ce que vous allez en faire et c'est cette exécution de programme qui m'intéresse plus. Donc c'est clair, si je suis élue maire, je resterai maire. Nicole Sanquer se veut ni opposante ni ralliée à la majorité, une position ambiguë que le Tapoura devra éclaircir dans les prochains jours.